plusieurs dossiers autour de l'économie de la République démocratique du Congo à mettre sur table et à exploiter pour le compte de Zoom EcoLive. Aujourd'hui, le focus sera fait sur ce montant, près de 600 millions de dollars américains nécessaires pour l'implémentation de 47 innovations du génie scientifique congolais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom EcoLive. Et pour continuer, nous aurons aussi des précisions chiffrées sur les dépenses générales réservées à la recherche scientifique pour l'année 2024. Avant d'exploiter toutes ces rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref. Quelques mois après la résiliation de contrat avec les premiers aménageurs qui n'étaient autres que la société Stratego, la République démocratique du Congo, à travers l'Agence de zones économiques spéciales, a conclu un accord avec le nouvel aménageur de la zone économique spéciale pilote de Maluku. La tâche est désormais confiée à Refriango, une société angolaise. La cérémonie officielle de signature du contrat a été organisée le mercredi 15 février 2024 à Kinshasa. Grâce au concours de plan d'affaires, un programme du gouvernement de la RDC financé par la Banque mondiale, 4 089 nouveaux emplois ont été créés sur l'ensemble du territoire par les petites et moyennes entreprises et les jeunes entrepreneurs en premier semestre de l'année 2023. Le gouvernement congolais veut capitaliser ses acquis en mettant plus de moyens dans ses projets pour booster les secteurs de l'entrepreneuriat de jeunes. Plus de détails sur zoom-co.net. Longtemps resté l'enfant pauvre du gouvernement congolais, les secteurs de la recherche scientifique et innovation technologique du pays devraient bénéficier des crédits budgétaires conséquents pour mieux jouer son rôle. Le prévision budgétaire pour l'année 2024 renseigne que les secteurs de la recherche scientifique et innovation technologique devraient bénéficier d'un budget de l'ordre de 1092,6 milliards de francs congolais, soit près de 404,6 millions de dollars américains au taux de 27 000 francs congolais le dollar américain. Plus de détails sur zoom-co.net. Les élèves finalistes de la province du Nord Kivu payeront 130 000 francs congolais pour prendre part aux différentes épreuves de l'examen d'État 2023-2024. L'annonce a été faite dans un communiqué publié ce mercredi 14 février 2024 par le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani. Plus de détails sur zoom-co.net. Poursuivons avec le cours de change actuel en République démocratique du Congo dans les chiffres clés et aussi des détails en ce qui concerne les dépenses générales réservées au secteur de la recherche scientifique durant toute l'année 2024. Judith Unamaka nous en parle. Et voilà, nous allons prendre notre première intervention. Il s'agit des chiffres clés avec Judith Unamaka. Bienvenue. Merci, Piombo. Le marché officiel, les parallèles, on en parle pour commencer. Concernant le marché officiel, notons que la Banque centrale renseigne justement qu'un dollar se négocie à 2733 francs. Un franc CFA s'octroie à 4,47 centimes et un euro vaut 2933 francs. Alors, pour l'espace marché parallèle, nous avons... notre point focus aujourd'hui est limité. Dans cette commune, un dollar se coopère à 2700 francs, un franc CFA à 4,50 centimes et un euro s'altère à 2940 francs. Alors, on va parler du secteur de la recherche scientifique ici en République démocratique du Congo. Première question là-dessus, que doit-on savoir sur les dépenses générales réservées à ce secteur pour l'année 2024? Voilà, notons tout d'abord que ce secteur, longtemps resté l'enfant pauvre du gouvernement de la République démocratique du Congo, il s'agit bien sûr du secteur de la recherche scientifique et innovation technologique du pays. Il devrait bénéficier normalement des crédits budgétaires conséquents pour mieux fonctionner. Alors, les prévisions budgétaires pour l'année 2024 renseignent justement le secteur de la recherche scientifique et innovation technologique devrait bénéficier d'un budget de l'ordre de 1092,6 milliards de francs congolais, soit près de 404,6 millions de dollars au taux budgétaire de 27 000 francs. Le dollar américain et ses crédits sont sensiblement augmentés, représentant 3% des prévisions des dépenses du gouvernement congolais, évaluées à très exactement 36 469,4 milliards de francs congolais au cours de cet exercice. Alors on va placer un rétroviseur pour l'année 2023 avant de nous séparer. Que dire de la somme créditée au courant de cette année précitée? Voilà, d'après les données de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire de l'année 2023, les crédits votés pour le secteur de la recherche et innovation technologique ont été chiffrés à 11 milliards, soit près de 4 millions
de dollars américains. Et les derniers rapports publiés par ce dernier, par ce service du ministère du Budget, renseignent qu'au mois de septembre 2023, le gouvernement n'avait décaissé que 908 millions de francs congolais. Et pour le ministère congolais de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, l'accroissement des crédits dans son secteur est un signal fort du gouvernement de la République démocratique du Congo sur sa volonté de repenser le développement du pays. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions et déjà bon début de week-end à vous. Merci beaucoup, Piombo. À vous également. Juste après elle, on va recevoir une autre rubricarde. Il s'agit de Déborah Muzinga qui nous parle aujourd'hui de ce 600 millions de dollars américains nécessaires pour implémenter plus ou moins 47 innovations du génie scientifique congolais. Suivez les détails. On va déjà prendre ce dossier avec Déborah Muzinga. Déborah, bienvenue. Merci Judith. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de ces montants nécessaires pour implémenter 47 innovations du génie scientifique congolais. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors pour répondre à votre question, il faut dire qu'au total, 47 projets innovateurs à impact direct ont été retenus à l'issue de la première édition du conclave de génie scientifique congolais qui était tenu en août 2023 à l'initiative du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Alors ce projet innovateur requiert un financement de 600 millions de dollars américains et d'après le ministre de la Recherche scientifique et innovation estime que ce projet innovateur du génie congolais sont susceptibles de transformer le paysage économique de la République démocratique du Congo. Alors avant de poursuivre, toujours dans le même angle, attelons-nous plutôt sur ce conclave en 2023. Il avait quoi comme prévision pour cette année, l'année 2024? Alors comme prévision pour l'année en cours, il faut dire que ce conclave avait notamment recommandé d'atteindre 1% du PIB aux dépenses de la recherche et développement conformément aux recommandations de l'Union africaine et cela est aussi d'accroître le budget du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique à au moins 7% du budget national et d'en assurer une exécution exécutive. Voilà, tout au début, nous avons épinglé les 47 innovations. Alors, si elles sont implémentées, prenons jusqu'à la fin de cette année, l'année 2024, quelles seront les avancées ou encore les points positifs du bilan du gouvernement congolais sur le plan de l'innovation scientifique? Si, à partir de cette année, notre fiscalité commence à être contrôlée avec la solution numérique qui a été proposée lors de ce conclave, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus forcément de malversation fiscale. Alors si les 47 innovations sont implémentées à la fin de cette année, le bilan du président de la République montrera donc que le Congo est en marche sur le plan de l'innovation scientifique. Alors voilà pourquoi le ministre donc de la Recherche a souligné qu'il est important qu'il s'avère nécessaire de lancer dès cette année, donc de l'année en cours, plusieurs projets innovateurs, notamment ceux liés à l'industrialisation du robot roulage qui est également une innovation congolaise. Alors il faut déjà souligner qu'à nos jours, il y a quand même plusieurs qui sont porteurs de projets de toutes catégories, les jeunes par-ci par-là. Alors quels sont les avantages qu'offre le gouvernement congolais aux différents porteurs des projets et que doivent-ils faire pour bénéficier de ces avantages? Alors pour bénéficier de ces avantages, il faut dire que le ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises a invité tous les porteurs de projets à s'adresser à son ministère à travers les différentes structures mises en place pour la promotion, mais aussi l'encadrement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et c'est pour bénéficier des avantages du gouvernement congolais. Alors parmi ces avantages, le ministre Désiré a notamment cité l'exonération sur certains produits, l'accompagnement et l'encadrement des services du gouvernement, mais aussi le financement des projets matures. Dossier intéressant, merci à vous Déborah de nous l'avoir proposé. C'est moi qui vous remercie. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Restez bien installés chez vous. Aujourd'hui, un marché spécial se présente à vous avec Naomi Kandé. Il s'agit là du marché des aliments pour diabétiques. Suivez ce nouveau numéro dans Zoom Eco Live.
Bienvenue à tous. Savez-vous que le diabète est l'une des maladies les plus courantes et les plus graves? Peut-être difficile à gérer, mais si cela est associé à un régime alimentaire, des activités physiques et des médicaments qui jouent un rôle crucial dans le maintien du sucre dans le sang d'un patient. Sans plus attendre, découvrez à travers ces numéros de Zoom Wendy le prix de produits alimentaires essentiels pour des personnes atteintes du diabète. Découvrons ces prix et retrouvons-nous juste après. Débutons notre marché du jour avec un avocat qui commence à partir de 1500 francs. 2000 francs lorsque ce n'est pas la période appropriée. Une poire revient à 1500 francs la pièce. La pomme rouge et verte sont aussi des fruits appropriés pour limiter le risque du diabète qui se vend à 500 francs. Une orange se vend à 500 francs. Passons au prix des poissons gras qui est riche en oméga 3 peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes diabétiques. Pour 1 kg de dorade, connu sous le nom de Mbisi Amabundu, c'est vend à 7500 francs le kilo. Une boîte de thon c'est vend à 6350 francs congolais. Pour de protéines, on retrouve deux œufs qui s'évont à 600 francs la pièce. Le plateau d'œufs revient à 16 500 francs congolais. 3 500 francs et les prix fixés d'un flacon d'avoine. Poursuivons ces marchés avec le prix des légumes. Pour une botte d'épinards, le prix se fixe à 2000 francs lorsque ce n'est pas sa saison. Si c'est la saison appropriée d'épinards, la botte s'évont à 1000 francs. Une aubergine s'évont à 1000 francs. Le chou rouge revient à 2000 francs congolais. Pour ceux qui préfèrent consommer les choux de Bruxelles, cela revient à 5 500 francs congolais les kilos. Une botte ou un moupikou d'épinards s'évend à 2000 francs et 3000 francs. 3000 francs et les prix fixés de patates douces. Parmi les légumes anti-diabète, on retrouve aussi les haricots verts qui s'évend à 2700 francs. Et enfin pour finir, un oignon commence à partir de 300 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se poursuit et à présent, on va donner la parole à Adassa Grasse qui nous fera le point sur les différents rendez-vous économiques retrouvés en République démocratique du Congo. Suivez-la dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La 10e édition de la fête du livre Kinshasa débutera du 17 jusqu'au 24 février prochain à l'Institut français et sera axée sur les femmes à l'œuvre. L'entrée de cette activité est gratuite. À présent, la 48e Assemblée générale de la FANAF s'y tiendra du 18 au 22 février 2024 à Nouakchott. Pour cette édition, le thème choisi est l'assurance au service du développement économique et sociale de l'Afrique. Et pour finir, la 20e édition du Salon agricole des Konya 2024 s'y tiendra du 5 au 9 mars prochain dans la ville de Konya, en Turquie. Ces salons rassemblent les acteurs impliqués dans l'agriculture et dans les technologies alimentaires du monde entier. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Et pour clôturer cette série de rubriques, on va prendre la toute dernière qui est article 15. Suivez. Débrouillard à jamais. Abendeza kati ayino province ayino ba lié nango tout banzela nango tout evandi a soko uti wapi bolobo uta lokolama
outa selenge outa kiri outa ngombe donc awande inongo province inongo et vendre en la kimbo. Nasa konta ya osala musala o tango bazu futa batu bien yango pe tamboli bien. Mais mon salaire, on a attendu la classe, c'est ça, au thème. Mais tu comme mon salaire, yango, parce que aux anga moyen y a mon salaire. Vous louez la compagnie et comme va brancher belé, yango là, c'est facile que non. Mon salaire, au pona zana kimia. Mon salaire, ouais, zo, peut s'engager moi pas. Nadia, dans toute la pièce là, ça va là. Là, mes capes vont vivre à moi bien. Côté qu'à bien par jour. Ce côté gata, c'est rentimi. Les alliés à voter capo. Nous sala déjà au poni, yango wana. Ata 30 000 déjà sur au commune à terrain. Les a province au boy et à haute. Et c'est les gars et tout ça. Tomema penza, dire que ça ça toyé nango a tout facilité bango à haute. Tout bandi na 500, tout en nango wana. Tout en la colape à 1000 francs. Tout en la jipe à 1000 francs. Nous appelons la joking, donc on va plus ça moins belle. Donc tu m'aimes les bangos gambés là, n'andinga qui ça ça. Et moi on a tué l'ango, avant qui ça ça na inongo pour aimer comme ça la bien. Et là on va jouer au monsieur sur monge soki, béti batanga mubayete, roté kabiente. Donc on va jouer au monsieur sur monge béti te, batanga mubaye, na bateau bauti par d'autres, par komi, on a beauté qui bien. Donc moi il y a ba monta ou singeli na mbala moko et singeli rezalati. Donc tout est garantanto du tout. L'état ça la makasi pas foutre à bateau. Attends mon kiwan est à bakabolanda mundam. Oh mutuna mutazinda mwana asaili ango besoin zana. Par contre tu renforcer biso na ba fond ou bien na ba moyen place ou you y a ba transport ou ba tout bazana ba ngamu ba kotu goyaka ou mais va rosa la moi bien. Bango tamo musu bakata na boîte tamo musu balinière mais so bazo kata na masua ou bien bac chaque temps ou bien masua et ça facile dans les détails du marché. Nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe des professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition même qui clôture votre semaine. D'ici là, je vous souhaite déjà bon début de week-end et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.